Alors, Mousseline et ses doubles. Tout d'abord, d'où vient l'idée première? C'est quelque chose de tout bête. Un jour, donc, ma fille aînée me dit « Je vais au mariage de la tante Mousseline ». Le mariage de la tante Mousseline. Oui, c'est une vieille dame, 78 ans, qui vient de se marier pour la quatrième fois. Ah bon? Oui, pour la quatrième fois. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler? C'était la tante de son ami de l'époque. Eh bien, dans sa vie, elle a été gérante, en particulier d'une agence matrimoniale. Ah bon? Oui, et tout ça se passe dans le nord de la France, dans un milieu de charbonniers. Ah, très bien. Et quoi d'autre encore? Eh bien, on l'appelle Mousseline, alors on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce qu'elle préparait de la purée autrefois? On ne sait pas exactement, mais c'est la tante Mousseline. Très bien. Et alors, il y a eu ça, en quelque sorte, comme germe de cette histoire. Et c'est resté comme ça pendant quelque temps, jusqu'au moment où, par quelle alchimie interne, quelque chose s'est passé et j'ai résolu d'écrire ce roman. Alors qu'il s'est écrit, en fait, véritablement sur la base de cette anecdote. Et tout cela s'est développé, alors on ne sait jamais exactement comment cela se développe. Chez moi, il est assez clair que c'est au fil de l'écriture. C'est l'écriture qui, je ne planifie jamais à rien, je ne sais jamais véritablement où je vais, c'est l'écriture qui se développe comme cela. Je prends toujours cette belle métaphore de Proust qui... au début de la recherche du temps perdu, parle de ces fleurs japonaises alors ce sont des fleurs en papier que l'on déposait dans un verre d'eau et qui, du fait de l'humidité, donc se développer comme cela. Mon écriture, c'est un peu ce principe de la fleur japonaise qu'on jette dans un verre d'eau. C'est-à-dire que je ne sais jamais véritablement ce qu'il va advenir de ce que j'écris, puisque je ne planifie pas, mais ça finit par advenir. Pourquoi un tel titre, Mousseline et ses doubles? Mousseline, donc, c'est le pseudonyme du personnage principal qui s'appelle, pour de vrai, Marielle, qui cherche à se faire appeler aussi Marie, parce qu'elle rencontre un Joseph, et donc ça cadre mieux avec le prénom de ce Joseph. Donc elle a pour surnom Mousseline, alors je ne développe pas pourquoi ce surnom, et elle a ses doubles. Alors les doubles, c'est qui? Eh bien ce sont tous ceux qui se sont plus ou moins incarnés en elle, à savoir donc c'est une jumelle, elle a un jumeau d'une part, donc elle a un frère jumeau, donc ici encore voilà un de ses doubles, et puis surtout le héros principal avec donc Mousseline, c'est son neveu Michel qui pour tout un tas de raisons va finir par devenir son fils adoptif d'une certaine manière, et qu'elle essaie de modeler à son image ainsi qu'à celle de ce fameux Joseph que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc voilà, les personnages de double sont là. Il y a certainement d'autres encore, mais c'est là la raison, une des raisons sans doute du titre. L'écriture se nourrit d'elle-même, c'est-à-dire que dès lors qu'on commence à écrire, il y a un certain nombre de phénomènes qui se déroulent, qui se passent, tels que par exemple la mise en place de thématiques. Il y a des thématiques tout à coup qui s'imposent à nous. Alors par exemple, je peux en citer, il y a le noir dans Mousseline, il y a celui de la mère qui intervient. Alors mère, M-E-R-E.
M-E, mais aussi mère M-E-R. Bref, un certain nombre d'échos comme cela qui se mettent à résonner et qui font que l'on écrit, tout simplement. Et puis, à côté de cela, il y a aussi un autre phénomène, c'est celui des réminiscences littéraires. Je crois qu'on n'écrit pas sans avoir lu, ça c'est un de mes leitmotivs. Donc on n'écrit pas sans avoir lu, et dès lors qu'on a mon âge, qui commence à être grand, on a beaucoup lu. Et donc on a des auteurs de prédilection, bien entendu, ceux donc qui chantent un peu dans la tête, dont on se rappelle, et on se dit qu'après tout, on peut leur rendre aussi hommage à partir de ce qu'on a écrit. Et ça a été l'idée d'intituler chaque chapitre à partir, donc, alors c'est variable, ça peut être des citations tirées de tel ou tel auteur, ça peut être des titres de romans, je me suis amusé avec cela, donc on a un certain nombre d'auteurs parmi évidemment ceux que j'aime, qui sont cités, qui m'en souviennent, il y a Rimbaud, Pierre-Jean Jouve, etc., etc. Ils sont là, donc, en quelque sorte, ce sont très souvent des clins d'œil qui sont faits. C'est aussi une sorte d'hommage que je rends très, très volontiers à ceux qui m'ont nourri, parce que, après tout, la littérature, c'est aussi une nourriture qui nourrit à la fois son homme, sa femme aussi, mais aussi l'écriture. Il faut bien penser à ça, à cette dynamique, je crois, entre d'une part la lecture et d'autre part l'écriture. Puis il y a d'autres clins d'œil, évidemment, deux ou trois pastiches de Flaubert en particulier. Mousseline est une femme amoureuse. Alors qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, Madame Bovary ne peut pas ne pas être présente. Quelques pastiches de Flaubert, quelques autres pastiches de temps en temps, la phrase longue à la Proust, mais toujours avec un peu de distance, la dernière phrase par exemple du roman est purement proustienne, mais toujours avec un peu de distance et un peu d'ironie, parce que sinon ça s'appelle du plagiat tout simplement.